L'argent fige les hommes, les rend immobiles. Or, un homme, c'est fait pour être mobile. Ça, je suis sûr de ça. Je suis incapable de vous le prouver. Mais je suis sûr de cela. Un homme, c'est fait pour bouger. C'est pas fait pour s'arrêter. C'est fait pour continuer. Pour mourir en mouvement, éventuellement. Mais ça n'est pas fait. Tout le malheur vient de l'immobilité. Toujours. On use les choses en étant immobile. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent, qui deviennent immobiles, c'est sûr. Mais il faut dire qu'il y a pas mal de choses qui les arrêtent. Il faut vieillir dans la mobilité, il faut vieillir. On n'est pas fait pour mourir. Et dans la lucidité. On est fait pour vieillir, n'est-ce pas ? Puisque mourir, c'est s'arrêter. Le but de la vie, c'est de vieillir. L'important, c'est de faire. C'est d'aller voir. C'est de le faire. C'est de ne pas dire, tiens, eh bien l'année prochaine, si j'ai un peu de temps, je vais faire, et moi j'aimerais bien faire, et je vais peut-être... Non, l'important, c'est de faire la chose. C'est d'aller voir. L'important, c'est de se mettre au pied du mur. Et alors, si on a mal calculé son élan, si on se heurte au mur et qu'on se casse la tête, il ne faut pas insulter les gens. C'est qu'on s'est cassé la gueule, qu'on se trompe soi. Il n'y a que finalement les gens totalement immobiles et qui ne font jamais rien qui arrivent à traverser la vie en disant que tous les autres sont cons. Ou à peu près. Quand on fait quelque chose, quoi qu'il arrive avec cette chose, c'est bien fait pour sa gueule. On fait quelque chose. Mais je préfère de loin me pulvériser la gueule que de rester immobile et dire que je vais faire quelque chose ou que ce que les autres font est inintéressant. Je préfère aller voir. Le problème alors.